La maire de Paris, Anne Hidalgo, entame ce dimanche une visite de travail de 2 jours à Alger. Elle a été accueillie tout à l'heure par le Premier ministre, le Premier ministre Alain Excelel, donc, qui a accordé une audience à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle parle de relations fortes entre les deux capitales avec un objectif de les accélérer. Anne Hidalgo est arrivée ce matin donc à l'aéroport international Houari Boumediene, accueillie par le Wali d'Alger. On écoute d'ailleurs sa déclaration à son arrivée. Vraiment heureuse de ce moment. Les relations sont fortes entre ma ville et Alger, entre l'Algérie et la France. Les autorités nationales de nos deux pays sont aussi dans des relations forte d'entente. J'ai souvenir des visites à la fois du président algérien à Paris, mais aussi du président français François Hollande ici à Alger. Et donc c'est avec cet ensemble de bonnes relations que je suis venue auprès du Wali pour faire en sorte que les relations entre Paris et Alger soient accélérées. Nous avons un très bel accord de coopération qui avait été signé en 2003, si mes souvenirs sont bons. Et dans cet accord, il y a eu des réalisations. Je pense au très beau jardin d'essai. Mais je pense à beaucoup d'autres projets sur lesquels nous allons pouvoir échanger avec Monsieur le Wali. En tous les cas, je suis là pour marquer cette amitié très très forte, ce lien très fort entre Paris et Alger, et puis accélérer cette coopération entre nos deux villes et faire en sorte que cette entente entre nos deux pays soit aussi portée par les deux capitales. Anne Hidalgo, à l'instant maire de Paris, accueillie tout à l'heure à son arrivée à l'aéroport Wali Boumediene par le Wali d'Alger et reçue juste après donc par le Premier ministre.